Salut tout le monde, bienvenue à cette semaine 9 de la Ligue des Maîtres. Désolé à l'avance si je suis vraiment plate. Je file pas vraiment. Genre pas au niveau personnel, là, au niveau santé. On affronte l'équipe à Ben. Je présenterai pas mon équipe trop longtemps pour la simple et unique raison que je trouve pas que ça vaut à peine. Ben, c'est un. À mon avis, c'est le meilleur joueur de la ligue et j'ai définitivement pas mis le nombre de temps qu'il faut pour le battre ce soir. Il y a deux raisons. Je sais que lui aussi n'aura pas une prep optimale, mais il y a aussi le fait qu'on a quand même des bonnes chances de s'affronter en séries éliminatoires si on passe le premier tour. Ou directement au premier tour, en fait, que je peux l'affronter. Donc, voilà, je veux pas. Je veux comme pas spoiler. J'ai un plan en tête pour si on s'affronte en série, mais je voulais pas l'amener à soir. L'équipe Aven est vraiment dangereuse quand même. Là. Je trouve que c'est la meilleure. Elle est vraiment difficile à contrer. Il y a Sat Scorch, G-Max, Dragapult, Cobalion, Mudsdale, Tapu Koko, Rhydon, Sylveon, Fletchender, Gyarados, Meowstic, Mail et Faramosa. Ferro, Mosa, pardon. Je vais mettre de la musique un petit peu. Donc, nous, de notre côté, je vais baisser la musique un petit peu, là. Je vais monter un petit peu dans mon OBS. Je ne compte pas juste mes settings, je vais quand même me recoucher. Fait nous, de notre côté, j'ai pas amené Intimidate et Hitmontop. La raison n'est vraiment pas scientifique, en fait. Je me suis dit que ce serait son genre d'amener une adrénaline home. Fait que je vais essayer de l'appliquer d'un item. Sinon, je sais que ça va sûrement me hanter contre Gyarados, mais je vais accepter mon sort puis je vais me mettre à genoux. Je vais juste accepter de mourir, je pense. Non, sérieusement, je voulais avoir le guess quand même de tuer avec Triple Axel. Fait qu'on a un technicien de mode top, rien de spécial. Là. Je vais dire les EV à haute voix, les gens qui s'intéressent, mais on a 116 attaques, c'est facile pour tuer, c'est un heavy bomb. Je ne vivrai pas un hit de Gyarados, malheureusement. Mais je pense pas qu'il va nécessairement miser dessus ou sur Beat Up Cobalion. J'ai hâte de voir, là. Je pense que Tapu Koko pour son team, ça ferait quand même du sens qu'il soit là. Je m'attends à ce qu'il amène, genre, Tapu Koko pour mes Sleep Powder de mon copain Venusaur. Cobalion, Dragapult, je suis pas trop sûr, honnêtement. Sylveon serait un bon Dynamax option, je pense. Si j'ai réussi à manager mon Trick Room, mais... J'ai bien hâte de voir là, ce qu'il va m'amener, mais Tapu Koko serait pas mauvais non plus, honnêtement. Ou bien, sans Discord, je pense que ce serait pas trop pire. On verra bien. Je ne divulguerai pas trop d'informations sur ce que je pense de son team. On a Follow Me / Dazzling Gleam Thunderwave. C'est sûr, légal au moins Thunderwave. Il me semble qu'on ne l'utilise jamais. Ça dit que c'est illégal pour tous les gestes de BFF. Togekiss, c'est quoi ces EV? Je vis un hit de Cobalion. Je vis pas mal tout là en fait. Je vais faire ça vite. Je suis max attaque, max HP, j'ai pas fait de call bain. Venusaur, j'ai juste mis assez de speed pour pas mal tout autre speed. Je suis max attaque, max HP. Pas max HP, j'ai 180 d'HP. Je vais out speed tout et je vais under speed dans le jeu. Trick Room, on a Colette. J'ai oublié de vous donner un nickname, mais. Fait qu'on de quoi je fais le Wisp, solidé, rien offensé, puis la soin vraiment ben straight là. Donc on va juste y aller de même pour le reste. Rien de trop appliqué. J'espère que. Ça fait drôle à dire, mais j'espère que lui il a amené du contact avec Thumbnail. J'aimerais essayer de donner un bout de Thumbnail. J'ai essayé les gens qui font ça. Ah, j'avais oublié Modster, son team qui est vraiment lourd, mais. J'ai essayé d'avoir l'air défaitiste, mais. Passe. Si je réussis à gagner une game, je vais être content maintenant parce que, comme je disais en début de match, là, j'ai vraiment pas de. Je pense vraiment pas que j'ai de team. J'ai pas assez mis de prep pour battre un joueur de la trappe. Hitmontop, ça se comme à rien ici. Hitmontop, ça. Je l'avais amené principalement pour jouer un Corbalion Gyarados. Fait. Hitmontop va bencher pour le reste, même si j'ai genre Sucker Punch pour faire à moi ça ou voyons, Dragapult parce que je me fais hit par Meowstic, Tapu Koko, genre possiblement Airstream de
de Dragapult, Mudsdale aussi. J'ai quasiment le goût d'y aller avec juste, mettons, c'est Blythe. Je devrais pas amener Taunt. Taunt aurait été vraiment meilleur que Quash, mais... Je pense que Taunt... Je pense que genre Venusaur, mettons... Dazwine est pas mauvais. Stakataka se fait quand même défoncer, sérieusement. J'ai goût d'y aller avec Dazwine, genre... Togekiss, j'ai pas beaucoup de speed control, mais... Ça me convient. J'avais amené Sleep Powder d'un coup que, pour une raison obscure, il amène Gyarados. Si tu prends le Sleep, tu touches pas au sol, mais... Ça verra bien, c'était un bon match, mon chum. Eden, c'est vraiment ça, et... Non, c'est ça. Ok. Tu Maxi Ferrama ça honnêtement? J'ai toujours un goût de juste. Je vais rien vraiment faire. Non, je ferai pas son idée. Je vais juste. Un Thunder Wave, c'est vraiment tannant. J'ai goût d'amener genre Max Quake, I guess. Je préfère Icy Wind aussi, c'est ça l'affaire. Le Tomek qui craint le taunt. J'hésite pour doré. J'ai quasiment le goût. Ça a l'air crazy, mais j'ai quasiment le goût de faire un double switch. Double switch, on va être fou un petit peu. Je vais garder mon duo dans le bac. Je vais squatter un peu ce qu'il fait. En fait, j'aurais dû. J'ai joué vite, mais j'aurais dû mettre Pilozwine dans ce slot-là, en fait. Parce qu'il va sûrement peut-être faire genre un Ice Beam, ça fait vraiment mal. Il va juste protect, fait qu'on a un bon... on a quand même une bonne double protect. Ok, ici je suis vraiment juste tenté de... J'ai le goût de juste comme faire un double spread move, faire Rock Slide, puis genre faire Dazzling Beam honnêtement. Même s'il met des screens, je m'en fous un petit peu. Je pense pas que Maxi Pilozwine ici est vraiment important parce que... Trick. Il va Trick? On est violette sûrement. Ben bon play, j'aurais pu juste follow me ici. Togekiss a un Eject Button. Fait qu'il pensait que j'allais maxer. Ice Beam, ça va être sur Togekiss. Je pense que je vis, j'ai quand même 196 de Special Def. Ok. Le reste, ça fait pas super chier. J'ai vraiment le goût d'y aller avec Sableye pour un autre Fake Out. Mais c'est pas, fait qu'on va quand même, on va potentiellement briser un Focus Sash ici, c'est quand même nice. Ice Shark, est-ce que Ice Shark dessus, c'est ça l'affaire? Je me demande, je vais faire un petit call rapide. Ah là, ben crash, j'ai pas rentré mes affaires. Mettons, Ice Shark va-tu tuer? Je passerais pas honnêtement, mais ferons-moi ça. Mettons, c'est pas fat mais cette affaire-là. Ice Shark va chercher un 45 puis 53 avec le set que j'ai. De vrai, je vais prendre le guess. Je vais prendre le. Je vais avoir une information au pire. J'ai quasiment le coup de. Je vais juste. Je vais fake out le meilleur stick. Je pense qu'il va genre protect Eve. Il protect personne. Fait ok. J'aurais dû fake out le Faramosa en fait. J'étais sûr qu'il allait protect. Ice Shark va tuer, fait que j'ai eu un bon roll, j'ai eu un high roll sûrement. Ça dépend de son invest, mais là, j'ai fait le calc avec aucun invest, fait que j'ai eu un high roll. Sorry Ben. Pour de vrai, je pense pas que ça va si mal que ça pour l'instant. Le goût de juste sac Togekiss ici honnêtement. J'ai le goût de Pyrozwine va juste chipper du damage un petit peu, ça me convient. Fait que ça va pas si mal que ça. Il a joué Trick. Il y a un Eject Button. Il y a Trick Protect. On a rien vu d'autre.
Apparemment, ça, Ice Beam Protect, on n'a rien vu d'autre. Fait, on n'a pas tant d'informations que ça, mais... Bien, c'est le... Dragapult. J'ai rien que le goût de... J'ai rien que le goût de... Ah, j'ai rien que Ice Shard, malheureusement. J'ai goût de jouer super passif, juste faire Protect. Genre y aller sur Togekiss d'un coup. Qui c'est mon Pyro's Wind? Je pense pas qu'il va s'attaquer à mon Sableye. Je pense que c'est un jeu assez safe. Il s'attaquera pas à mon Sableye, je pense. Puis son Dragapult doit être spécial. Tu sais que j'ai Will-O-Wisp. Il doit se douter que j'ai Will-O-Wisp. Et nous, ça va nous garder un potentiel fake out dans le back. C'est quand même intéressant. D'autres quash aussi. C'est malheureux qu'on n'ait pas Ice Skull Crash. Il va maxer Dragapult. Fait. Je pense que c'est une bonne option pour Doré de maxer Pult dans ce match-up-là. Je pense que c'est son meilleur dernier max candidate dans le match-up parce que j'ai. Oui, j'ai Togekiss, mais je suis pas vraiment physique. Je vois pas. J'espère qu'il ciblait mon Pyro's Wind. Je suis thick fat, ouais. Imprison. Je sais pas ce qu'il voulait imprison avec mon move, mais Max Berwin, fait que c'était un gros read, de vrai. Gros read. Pour de vrai. Là, il y a Imprison, Protect. Fait qu'on peut plus Protect. Est-ce que c'est grave en soi? Pas vraiment. Qu'est-ce que je veux juste faire Ice Shard, puis... Je fais ça Thunder Wave. Parce que là, il peut prendre des boosts de speed. Fait que j'ai le goût de juste faire un Thunder Wave pour de vrai, parce que... Quick encore. Il va enlever mon Eviolite, mais... Il me fait pas de damage, vraiment. Au moins, on chip beaucoup de damage. Tu as un crit? C'est un crit. Le sable aussi. Sorry, il est weakness policy. Fait qu'il faut faire attention. La bonne nouvelle, c'est que... Il va chercher Max Lightning. OK. Max Lightning, ça veut dire qu'il est spécial. Ce qui me surprend guère. Ça ne me surprend pas pantoute, honnêtement. Je l'aiderai pas de... De vrai, je pense que j'ai juste le goût d'y aller avec Sableye. Ah, il y a peut-être son idée, c'est ça l'affaire. Ah, il y a peut-être son idée, puis je peux pas lui mettre le son. J'ai le goût de... Là, je peux pas endormir personne, mais... OK, il n'y a pas une présence sur l'idée, fait que c'est quand même... C'est quand même pas trop pire, fait que je vais pouvoir au moins... Je pense qu'avec le chip du Ice Shard qu'on va avoir... Je pense que le crit matter, tu devrais. Parce que, mettons... Ça va peut-être matter sur le Venusaur à la fin, je vais faire un petit calque rapide. Entre les deux tours après, mais... Pour de vrai, on va juste chercher une win, je suis vraiment satisfait, là. Il y a Imprison devant qui, je m'en rappelle plus, mais il va changer son Meow Stick, ce qui me dérange guère. Pour le Mudsdale. Mudsdale me dérange plus ou moins en toute franchise, là. Je vais pas le burn au prochain tour en plus. J'ai mon Sash, fait que s'il attaque mon Sableye, c'est pas trop tannant. C'est un autre crit? C'est un autre crit? Oh my god! Sorry man, ça fait... Ça, il est tombé dans un rage à mourir. Il fait Max Geyser, ça me convient. Ça me convient, mon beau béni. Vrai. Je pense que... Là, ça matter, là, les deux crits. Excuse-moi, Ben. Je pense que tu le sais que je veux pas un... Je veux pas ça, là. Mais, attends, je vais sur Sableye. Pas ses blagues, mettons. Venusaur sur un Dragapult. Hyper-O, mettons.
pas qu'on max tous les deux. Ben, je pense vraiment que ça matter avec les moves que j'avais. Parce que. Je pense vraiment que ça a été important. Au moins un. Je pense pas que le deuxième a rien changé, mais. Je pense qu'on va s'en sortir honnêtement. Parce que il a pas fait de. Il reste Miaustic. Il pourrait être sac genre Miaustic, mais. J'ai le goût de juste Max Quake. Je pense ça de chercher le kill. Puis je vais faire un Sunny. Sunny Day de mon bord encore une fois. Je pense que Venusaur regarde quand même bien. Je pense pas que le Mudsdale va me faire super mal. Et à moins que je me sois trompé dans mes cartes, je suis plus rapide que lui, honnêtement. Fait qu'on se casse pas de basic ici, mais je pense qu'on ça regarde quand même bien. Il va changer son Mudsdale. Je trouve ça quand même weird, man. Il fait plus des Jig Button. Anyway, il va peut-être m'enlever mon Life Orb, mais ça a-t-il vraiment changé quelque chose, honnêtement? Mettons, je pense que un crit a changé quelque chose. Pas deux. Le deuxième a rien changé, à mon avis, mais. Parce que, mettons, hors Dynamax, tu sais, Max Quake, il va chercher quand même jusqu'à possiblement 80%. Fait que je sais pas si ça a changé vraiment quelque chose. Ben, je pense que un a changé de quoi. Le deuxième, mettons, je suis dans la même position, je vais chercher lequel est noué, fait. Je pense que ça regarde quand même bien. On va prendre un spécial def. Le Mudsdale a sûrement Protect, mais c'est-tu grave? Pour ça, il y a Protect and Prison. Il y a Protect and Prison Trick. Genre, no way que son Miaustic va win. J'ai pas le goût de dévoiler que j'ai fait. Que j'ai. J'ai pas le goût de dévoiler mes moves, mais j'ai quand même pas chaud en même temps. On va essayer de faire Will-O-Wisp. Il va protect son Mudsdale, je m'en doutais, honnêtement. Vraiment mal, hein. Puis il va être plus rapide, c'est pas mal sûr, fait. Ça va dépendre de ce que le Miaustic a, mais moi je peux même pas attaquer avec ses blinds, oui, fait. Trick Room. Fait qu'il y a Trick Room, Protect, Imprison, Trick. Il y a pas l'attaque. C'est valable, j'avais pas taunt. Il peut pas me tuer, anyway, hein. Je vais faire Quash. Je dévoile-tu Quash? Il y a aucun moyen qu'il me tue, honnêtement. Je vais faire un Max Overgrowth. Je vais faire un Will-O-Wisp encore, là. Je veux pas dévoiler mon... Je veux pas dévoiler que j'ai Quash tout de suite, honnêtement. Même, il faudrait genre un majeur crit. Je sais pas comment Mudsdale peut me tuer, honnêtement, là. Il va essayer de double protect. Donc, il l'essaye pas, mais. Ouais, GG. Fait moi, je vais juste continuer à faire des wisps. Et attaquer. À moins que, genre. Il y a une lame. Trick. Il va enlever ma life orb. Fait bon job de Ben de, comme juste. Ben scout tous mes items. Hey, horse, ça va être dans mon sable. Hey, il essaie de scouter le mien aussi, sûrement. Steven, c'est un joueur qui fait jamais rien pour rien. Je sais qu'en ce moment, il doit se dire qu'il veut. Il veut aller chercher de l'information. Il veut sûrement juste aller chercher de l'info. Mais son nom, c'est Imprison Trick Room. Il n'y a pas de fake card de son bord. Apparemment, juste que genre Pilozoin et Togekiss, c'est un bon lead. La prochaine game. Je vais faire un Leaf Storm. Je dévoilerai pas Weather Ball pour rien. Je vais juste faire un autre
Sonny Day sur... Je vais faire un autre Sonny Day sur son mon. Je veux pas dévoiler mon autre move. Mais il pourrait quasiment quitter, il n'y a pas d'attaque ici. Trick. Fait qu'il va chercher attendre que je meurs. On va chercher le match numéro 1, je suis quand même satisfait. Il me redonne ma life force. Ouais, il veut finir le match, fait. J'ai eu quand même le crit. Je pense que le deuxième crit a pas mal à deux. Je pense que le 1... Je pense que le premier crit... Même à ça, le crit a pas tant changé de quoi parce que... Le crit a pas tant changé de quoi parce que je l'ai pas tué pendant qu'il était... Mettons que je vais le chercher pendant qu'il était maxé son dragapult. Là, je me serais dit, OK, le crit, la différence a vraiment fait un impact. Mais là, je suis allé chercher en dehors du max. Puis en dehors du max, je vais chercher en 77 puis 80%. Puis deux high shards, ça va chercher... deux high shards, ça va chercher genre pas mal plus que... Sans crit, là... Sans crit, mettons qu'il n'y a pas d'in... mettons qu'il y a pas d'invest sans crit. High shard va chercher quand même plus que la moitié, là. Hors Dynamax, évidemment, là. C'est hors Dynamax, je vais chercher entre 50 puis 60 avec high shard. Fait que ce qui est nice, c'est qu'on sait que son Meowstic a pas fake out. Ça, j'ai pas ça, honnêtement. L'ajustement de son bord, ça pourrait être genre... Il pourrait se dire, je lead pull tout de suite. Il pourrait imprison mon protect. Il y a Max Geyser, il y a Thunderbolt. Il aime pas le poison, visiblement. Parce que Takataka, honnêtement, c'est Takataka en dehors de Mudsdale, on regarde pas mal. Calisse. Ça fait sûrement pas grand-chose à Mudsdale. J'ai pas le temps de faire des cartes, mais... Je pense que je vais juste pas me casser le basic, puis je vais faire... Je voyais que Pugikis, Plus Wind, Sablite, puis Venusaur, puis vrai. On sera pas plus honnête que ça. Je vais devoir. Je pense que Sylveon pourrait être un pas pire ajustement. Genre, Sylveon, Dragapult avec Quick Attack, Active, sa Weakness Policy, ce serait vraiment tannant. Surtout que. Ben alors, quoi que je lead Togekiss pour cet ajustement-là, que j'avais visiblement pas pensé. Mais... Bessanik, ça c'est sûrement Sylveon. Sylveon, ok, ouais, fait que l'ajustement. La question c'est Chris, il va-tu? Mettons que je maxe là pour lui aussi maxé. Et le fond va chercher un. Je suis pas plus rapide après, mais je peux embarquer Sableye après. J'ai quasiment le goût de maxer Plus Wind, sérieusement. J'ai dans le follow me. J'ai le goût de maxer Plus Wind ici. Même si j'active sa weakness policy pour le reste, je pense que c'est une erreur, honnêtement. Mais j'ai pas maxé Pilosoin ici, fait que peut-être qu'il va se dire que je maxerai pas, mais je pense que c'est un petit peu... Ben, c'était quand même nécessaire, je pense. Puis Pilosoin overall a quand même un bon match-up contre, genre, Mudsdale, possiblement. Ben, Mudsdale, plus ou moins avec Body Press, mais genre Tapu Koko, puis il sait pas que j'ai Quash. Je peux emmener Quash dans la prochaine game. Il a pas fake out sur son Meowstic. Fait qu'il maxera pas. Si je me débarrasse de... Ah, il va peut-être faire... S'il fait Phantom Force, pour le reste, c'est vraiment huge. Hein? Ah, j'ai pas pensé à Phantom Force. C'est vraiment idiot. Excusez-moi. Pas sûr qu'il fait genre Phantom Force, honnêtement. Va protect. Ok, je pense que je prendrais pas le risque de faire Phantom Force au prochain tour. Et lui, il fait pas de... Je pensais qu'il avait fait genre Quick Attack, Weakness Policy, mais... Là, il a vu mon Togekiss, il devait pas être content. Ça fait rien sur Plus Wind, sérieusement. Il active sa... voyons. Je vais avoir un bon chip, pareil, sur... Dragapult. Je peux le mettre dans un range de... Comme pas maxé. En toute franchise, là, j'ai quasiment le goût de... Il y a une weakness policy. J'ai quasiment le goût de juste faire High Horsepower dans Sylveon. Je pense qu'il va...
Là, ça n'étendra pas le maxi, je pense, honnêtement. Je suis fake fat dessus. Je suis obvious, ça c'est quand même cave. Dragon Ball, mettons A plus 2, max. Max Geyser me tue pas. C'est mieux ça. Geyser me tue pas, Flamethrower me tue pas. Le français à son meilleur. Max Flame. Je sens quelque chose qui marche pas dans mon corps. C'est impossible, sérieusement. C'est A plus 2. Mais je veux un hit selon ça. J'ai tellement goût juste de. D'un coup qui max. Faire un Gleam puis faire un. Max Quake dans le Sylveon, ça couvre quand même les potentiels Switch. Il va maxer. Je suis pas mal sûr qu'il fera pas un Max Wurmwind parce que j'ai Kogekiss. Il va maxer Sylveon, ce qui est vraiment un bon plan, honnêtement. Parce que j'ai pas Sludge Bomb. Et il peut faire Starfall. Comme je disais en début de match, je pense que vraiment Sylveon c'est un bon Max Captain aussi. Hydro Pump qui. What? Ok. J'ai l'impression que c'est un payback, mais j'étais pas censé mourir. Le crit était vraiment unfortunate, mais j'étais pas censé mourir de ça. On va aller chercher au moins on va aller chercher au moins Dragapult. On peut s'en sortir. Le Starfall s'installe, fait que ça tentait vraiment pas de se faire sleep par Venue. Je pense pas qu'on va gagner ce match, honnêtement. Le crit nous met dans une position atroce. Là. J'aurais pas à voir quand même. Mettons que Sylveon est match max HP. Je vais faire un petit calque rapide. Là, pour qu'on tombe en tri, mais. Le crit a vraiment un gros impact ici. Mais mettons qu'il est level 50, genre max HP. Max. Tu sais, j'aurais quand même cherché. Oui, c'était pas gros, mais j'aurais quand même cherché 35%. C'est quand même peut-être quelque chose qui va me faire mal. Thunderwave, ça la patente. Là, je meurs. Si j'ai pas le sun, je pense que mon P, c'est comme juste de sac Sableye, quitte à. Il y a même Coco, mais ça va changer la météo. Ça change le terrain, mais ça empêche mon sleep quand même. J'ai quasiment le goût d'y aller pour du Axe, mais. Coco pourrait juste y en chialer d'un web tué anyway. Voilà, je pense que j'ai un Axe trop vite. J'hésite. Coco. Cap Coco n'est pas un problème. Venusaur, mais là, j'ai besoin du Sun quand même. J'ai le goût de. Je vais me retrouver avec mon sash. Hein. Je vais faire un follow me. Même s'il va sûrement faire un spread. Je vais faire Sunny Day. Je pense que je suis perdu là. Peut-être qu'il ne pas. Fait que d'après moi, il y a un spread move, mais. On va avoir de l'information honnêtement. Sunny Day. Ça me va. Peut-être que Sylvian a un move de été aussi. J'ai rempoché d'amener Stakataka après. Light screen. Ok, fait que c'est un set avec des screens. C'est pas un GG ici. Je pense que finalement, même sans le crit, je pense que j'aurais pas été obligé de maxer pour de vrai. Parce que là, exemple, j'aurais pas maxé. Puis qu'est-ce que ça va donner? J'aurais pas amené Venusaur. Puis là, ça aurait été insane. Je suis pas sûr qu'au travers du light screen, ça tue pas malheureusement. Mais Coco, c'est quoi qu'il peut me faire honnêtement? Le sleep dans Starfall, je peux pas. C'est quand même bad.
Ah, je pense que j'ai pas le choix d'aller chercher lequel, honnêtement. J'ai pas le goût de dévoiler Quash, pour vrai. C'est une game qui est perdue. Je sais que le jeu, c'est Quash. Je sais que le jeu, c'est Quash, mais je vais perdre le match, puis ça me convient totalement. Ok, fait quand il fat son coco. Son coco, mais je vais juste me laisser mourir, honnêtement. Dazzling Gleam, c'est parfait. C'est moi qu'on passe au prochain match en franchise, hein. Donc, Tapu Koko est vraiment invest en... Il est pas invest en spécial attaque. Max Flair, ça me va. Faudrait, genre, cet attaque est vraiment nice. Je vais juste me laisser mourir, honnêtement. Je pense que Sableye, cet attaque, ça pourrait pas être mauvais parce que si... S'il amène Miaustic comme ajustement, l'affaire c'est que Faramosa peut faire. Faramosa peut faire Close Combat. Et ça, patate. Mon team en Trick Room, c'est vraiment bon. C'est quand même vraiment passif, Togekiss, genre Pilozoin. Ben, Togekiss, pis Sableye, ils sont quand même vraiment passifs. Hey, là, cette toune-là, on peut-tu? C'est carré, les tounes de son échelle. Honnêtement, que je vais y aller chercher une, je suis surpris. Fait que je vois juste. C'est pas ça que je voulais faire pendant tout. Pas vrai. Mon top est pas saché que ça. Attends, c'est que faire ça doit me faire mal, là, de me frapper comme un train. Mais je pense que j'y vois greedy pour de vrai. Mais semblait avec quoi, je suis quand même vraiment insane. Will-O-Wisp aussi. Ben Will-O-Wisp, ça va juste pour Mudsdale. J'ai quasiment le goût de... Je vois-tu avec Hitmon Top? Hitmon Top, Togekiss, Takataka. Je pense que je vais juste... Ben, pour d'ailleurs, je viens d'aller me coucher. Mais je pense que... Je pense que ça fait sens. Je vais aller me coucher, honnêtement. Fait que bon match, Ben. Le reste, c'est un beau set. Il va sûrement amener. Il amène Coco. Ah, je voulais y aller Urk, non! C'est pour ça que je voulais faire. Je voulais amener Stakataka. Ah non, fuck! Je voulais amener Stakataka dans le bac, esti. Ah, les gars, je vais regarder mon. Ouais, non, c'est pour ça que je l'ai fait pas à tout. Ah, je voulais amener Togekiss, puis Stakataka. Hitmon Top, puis Stakataka en ligne. C'est vraiment de la merde. Fait qu'il y a beau mettre ses screens, ça me dérange pas vraiment, ça. Ça paraît que je l'ai fait dans le Giro. C'est pour ça que je l'ai fait pas à tout, là, mais. Peut-être. J'attendais un fake out. Le pire, c'est que ça va peut-être bien virer pour moi quand même, là. Screen. Il m'attaque même pas mon Togekiss en plus, fait que mon Trick Room est vraiment comme free ici. J'ai amené Pilozoin dans le bac. Ouf. Tu sais que j'aime beaucoup le sleep, fait que... J'ai hâte de voir, mais on s'en sort pas si mal pour une erreur de lead, honnêtement. Je suis pas le plus entertaining. C'est pas vraiment entertaining, mais. Vrai, je pense que Coco ne peut rien faire.
J'ai quasiment le goût juste de tuer Sylveon après, faire genre Guy Robot puis dans un game Hyper Voice. Ça va pas me faire extrêmement mal. Mais quand même. Dark Shrit, ok. Voilà, Trick Room, ici, c'est quand même vraiment huge. Il pourrait protéger Bethany ici. Je m'excuserai pas tout de suite, je pense qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une formation actuellement qui est passive. Je suis Sir in Grace, me semble, hein? Je suis Sir in Grace, je vais quasiment y aller pour les Finch. Le sorcier Sylveon est sûrement plus slow, j'ai hâte de voir. Je pense que je vais rien qu'aller pour le chip, hein? Mon top Magic Room peut quand même être nice avec Triple Axel. Technician. Il est embêté. Il doit sûrement penser que je vais être greedy puis je vais maxer. Ça serait le play quand même. Je vais me chercher des boosts de def puis tout. Ok. D'après moi, ça tue pas par contre. Oh, Chris quand même. Ben, il peut voir, c'est encore. Fait quand même beaucoup de damage. Le crit peut quand même vraiment être tannant de son bord, honnêtement. Ça fait absolument rien sur Bethany. Electroweb. Il veut sûrement chercher. Il veut juste aller chercher du damage. Je pense que. J'ai quasiment le goût juste d'y aller pour le safe play. Je pense qu'il va protect, honnêtement. Je suis sûr d'être plus lent. Il va protect, d'après moi, j'en veux un autre, là. Fait que j'ai juste le goût d'y aller avec un air slash. Je suis quand même Serene Grace, fait que je peux flinch son Sylveon. Quick attack. Il va pas me chercher, évidemment. Enfin, il acceptait juste son sort. High Horse Power, ça devrait aller chercher, logiquement. Qu'est-ce qu'il est bien fait, là, pourquoi pas? Air slash qui miss. Je suis quand même pas chanceux ici. C'est incroyable. Quand tour de Trick Room, par exemple, il se tord vraiment à bien mon Trick Room. Il pourrait juste protect ce tour-là. J'écoute de juste Rock Slide de Dazzling Gleam. Le. Je vais faire un coup d'attaque, je m'en attendais, mais. Ça me convient. Le miss sur Slash, je pense, ça quand même matter. J'aurais pas avoir un flinch possiblement. Au moins, un flinch, ce serait pas pire. Comme genre un petit payback. Mais si je l'ai pas, c'est grave, honnêtement. Je l'ai pas, fait. Je l'ai pas. C'est triste. Hey, c'est grave pas vraiment. Je pense que j'aurais dû maxer stack pour vrai. C'était quand même vraiment greedy, mais. On verra bien. Là où que le critical hit me fait mal du Hyper Voice au début. C'est que j'aurais vécu ce Dazzling Gleam-là, puis j'aurais un autre tour de Trick Room, mais... Ça fait partie du jeu. J'ai eu des cuts aussi dans le match, mais ouais. Et en vrai, ils sont... Pour de vrai... Après, c'est si je fais genre Triple Axel... Son McDonald n'est plus là, puis j'ai même pas intimidé. Fait que c'est pas GG, honnêtement. Ça fait quand même chier en toute franchise, mais. Vous voyez, pour le différentiel, au moins. J'ai quand même un goût de Max Guard. Le Max Guard pour être plus rapide après ça. Ouais. Ça aurait-tu changé grand-chose, honnêtement? J'avais pas grand. Ça aurait rien changé, right? J'avais rien pour toucher Mudsdale, là. C'était venant sur ma réponse à Mudsdale, puis je l'ai pas amené. Mais des circonstances, pour le reste, c'est pas un match qui me fait chier de perdre, là. Ça me fait pas chier de le perdre, honnêtement. C'est pas mon plan optimal pour les playoffs, mais... Je pense que j'aurais dû maxer comme...
J'aurais dû maxer Stack Attacka, puis comme avoir plein de boosts de def, là, possiblement. Je pense que ça aurait été moins pire, mais même à ça, j'ai aucune Muddy Dalancer là, dans mon team actuellement. Je pense que Venu. J'ai hâte de voir son vidéo, mais il y a du read que j'allais amener. J'allais pas amener Venusaur dans cette matchup-là. Mais... je pense que Venusaur était vraiment solide. Peut-être une erreur de ma part, mais. C'est pas vraiment grave, honnêtement. Mais... Max Guard. Il va juste. Accepter que Coco meurt, ça me convient honnêtement, là. Max Wayfake. J'ai quasiment le goût de. La patente. Envoie Apollyon, c'est son Dragapult. Mais il est spécial. Ça me surprendrait qu'il aille. Puis lui, il est l'homme. La patente, c'est que je vais sûrement augmenter ses boosts de def tout le temps, puis il sera plus tuable. Mais je vais faire un triple Axel. Sur le Dragapult en espérant tuer. Lui, il a sûrement genre Will-O-Wisp, possiblement dessus. Rockfall, ça fort. Je vais doubler le Dragapult, même s'il protège, honnêtement. Il va protéger. Je m'en attendais. Mais je veux pas donner des boosts de. Je veux pas donner des boosts de def tout de suite à son Mudsdale, honnêtement. Là, il est sûrement. Son Dragapult est sûrement genre. Comme vraiment. Oui, c'est pas là. Si j'ai. Ça fait vraiment mal. C'était vraiment idiot quand même comme play. Ouais, Max Quake. Ça me fait vraiment mal, sûrement. Dans Mazdale. Dans Pillars Mike. Ça fait pas tant mal que ça. Mais, je viens de checker. Il demande pas. Je vais tout de suite, là. Dragapult. Contre Dragapult, Choice Pick, level 50, un petit card rapide. Je pense que ma wincon, c'est juste de. Ça fait 50% pour ce que je suis. J'ai quasiment le goût juste de tuer pas l'Axel puis de. Peut-être encore. C'est vraiment vieux comme play, mais je pense que. Faut que je le fasse, là. Parce que je pense qu'il anyway, je battra pas. Puis là, soit il ne battra pas un pour un. Je ne battrai pas un pour un, Mudsdale parce que j'ai Ice Shard comme move Ice ici. Draco Meteor, ouais. Je pense que je le vis quand même. Je peux le vivre. Je suis quand même genre max. Je vis à 1 HP. Oh my goodness. Je vis à 1 fucking HP, man. Mais il est bien. Ils sont bien fat ces Pokémon cette semaine, Chris. Ok, let's go. J'ai peut-être une chance, I guess. Ben, je vais mourir du L. Max Knuckle. Un bon play de sa part pour le vrai. Peut-être qu'il n'y a pas Body Press, mais. On fera bien, là. Mais au moins, il n'y a pas de boost de def, mais. On va aller chercher le différentiel, au moins, là. Mais ouais. Il m'aurait fallu peut-être. Dude. Je sais pas, ça, c'est sûr, là. Si, genre, Max Def. Mon meilleur move, c'est High Horse Power, puis il me faut des crits. Sa dev va sûrement monter, puis il tape son attaque, fait. On verra, là, mais... Je peux le rapide, at least. Je pense qu'il va falloir que j'y aille pour des Rock Slide Flinch. Putain, mais... On verra. Je vais jouer ma Wincon. J'ai quand même une chance de m'en sortir, mais les autres sont vraiment du sien. Puis Max Knuckles, je suis pas mal sûr que c'est genre Body Press. Mais je suis content, ça me fera pas trop mal au niveau différentiel. Puis Arrow's Power, next. Absolument rien. Il est pas stamina. Ça fait extrêmement mal, par exemple. Je pense que. Il n'y a plus de reflect. Il reste comment? Il reste deux tours. J'ai quasiment juste le goût de protect pour qu'il prenne du heal. C'est pas vraiment le choix. Body Press. Ok, il a Body Press.
j'ai pas le choix d'y aller pour des flinch. Parce que High Horse ne tue jamais, là. Je peux faire un petit call vite. Mettons même avec un crit. Exemple, j'ai un crit. Puis qui est worst case scenario, genre max def, max attaque. Max HP, mettons. Un crit va chercher un 39 puis 45. Je le tue pas, no matter what. Exemple qui est genre Adamant. Exemple qui est Adamant, max HP, mais il n'y a pas de def. Faut que je risque le crit pour de vrai. Ben, les flinch. Ma seule wincon, je pense, c'est un flinch ici. J'ai un petit peu de chip. Si je peux avoir un petit peu de chip ici, il me faut un flinch. Pas de flinch, malheureusement. Okay. Avoir un flinch, j'aurais pu. Il aurait pu être dans un range après ça de mourir d'un crit de High Horse. Ça aiguille un petit peu. Là. Les odds que je l'ai, c'était quand même vraiment élevé. Fait que. Good job, Ben. De l'autre côté, il va nous rester Gianni cette semaine, qui va être encore sur YouTube. Après ça, on est de retour dans le Nord pour les séries, malheureusement. Le timing est atroce, mais c'est ça qui est ça. Donc, moi, je vais me coucher. Merci à tout le monde qui a regardé le match. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Wow.